En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez? Étaient très exploités par les riches fermiers. C'était grande souffrance de Grenoble à Valence. La cendre et le fumier étouffaient-les, vous m'entendez? La cendre et le fumier étouffaient les foyers. Tu crois que c'est le cheval de Moret? On dirait. Hola! Soco, tout doux le beau, tout doux. Soco, tout doux. Oh. Quel est le salaud qui t'a battu comme ça? Tu le demandes? C'est Durel, hein? Il n'est pas plus tendre avec les bêtes qu'avec les gens. Tiens-moi ça. Hey. Hey, hey. Doucement, doucement. Doucement, Soco. Doucement. Bon, je vais lui rapporter, hein. Tiens, n'oublie pas ta broderie pour l'éveiller. C'est une nouvelle? Si on te le demande, tu diras que tu ne sais pas. Salut. Salut. Allez. Les mandrins et leurs mères étaient dans la misère et devaient braconner afin de mieux, vous m'entendez? Et devaient braconner afin de mieux manger. Arrivons à Saint-Joire où mandrins plein d'espoir donne à Marion Moret un tambour à, vous m'entendez? Arrivons. Donne à Marion Moret un tambour à broder. Tiens, en passant par Saint-André, j'ai fait une emplette. J'ai même ramené le cheval de ton père. Attention, voilà. Moret! Oh, Moret! J'ai ramené ton cheval. Où l'as-tu trouvé? Là-haut, sur les collines. C'est un beau cheval, Moret. Ouais. Mais il est sur l'œil. Il ne faut pas confier son dressage à un goujat. Que dis-tu? Je dis qu'il faut être lâche pour battre un cheval. J'appelle lâche l'homme qui n'a pas fait payer aux soldats de la ferme la mort de son père. Ça n'a de courage que pour tourner autour des filles bien dotées. Approche si tu l'as assez, duel! Quant à toi, Louis Mandrin, que je ne te vois plus jamais traîner près de ma maison.